Bonjour. Excusez-moi. Hey. Vous ne pouvez pas entrer ici? Ouais, dégagez. Désolé. Je le disais aussi. D'accord, mais. Pardon, 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 je ne fais que passer. Il y a un truc vert. On m'a dit, il faut aller là où il y a les trucs verts. Non? Je n'y comprends plus rien. Il y avait peut-être un autre passage, oui. Bonjour, je ne fais que repasser. Pour être vraiment sûr. Bon, très bien. Au revoir. Hein. Peut-être au-dessus encore. Voilà, toujours plus haut. Allez, plus haut. Peut-être par ici? Ah non, il n'y a pas de truc vert là. D'accord. Bon, bah je me suis complètement perdu. Ah, c'est terrible. Première tentative de contenu optionnel. Mais là ici, il y a une salle de jeu, d'accord. Pipoum. Ah oui, les gens jouent. Après enquiller, façon Mahjong. Ça coûtera 25 000 pour jouer à cette table. 25 000 boules? Pas exactement les meilleurs joueurs au monde. Jouer, il te faudra 12 500. 12... Non, mais non, mais non, mais non, mais je vais pas jouer 12 500 balles. Mec, 12 500 pour jouer au Mahjong. Non, mais ça va pas, toi. Déjà, je sais pas jouer, donc je vais juste venir, prendre mes 12 500 et les donner, hein, globalement. Un truc vert là par ici. Si, c'est peut-être lui, hein. C'est peut-être à cet étage là. Non, c'est fermé. Je peux pas péter la. Hasard, péter la porte. Et ça, c'est l'ascenseur, on s'en fiche. Non, je peux pas péter la porte. Énorme. Bon, je n'ai rien compris. Ça, c'est l'étage où j'ai pas le droit d'aller, oui, ok. Bon, bah écoutez, j'ai bien trouvé les deux trucs verts, mais j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit avec. Admettons. Point, 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 point. Pardon, pardon, excusez-moi, pardon. Je ne fais que passer, bien entendu. PA. Pour l'amour des points. Il y a les pouipouis, les pouipouis. Alors. Qu'est-ce que mon acolyte me veut? C'est l'avocat qui était avec nous? Pas du tout. Procureur, oh! Excusez-moi. Mafuyu Fuji. Procureur. On était ensemble, visiblement. Ah bon, c'est tabou. Bon, c'est la procureure qui a l'air stylée. Beaucoup de charisme. Bien évidemment. Hamura の件だけど、もう起訴なの?
逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。 visiblement on connaît tout le monde hein. On connaît tous les gens du barreau. ターボーが無罪取った時の検事か? Ah. 3年ぶりの対決ね. いや、俺が法廷に立つわけじゃないから。 そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの? この間源田先生にも言われたよ。 その話はもういいって。 Oui, voilà, tenez-vous à haut et puis voilà. Ça c'est de poser les mêmes questions. 検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん?八神君、探偵なんて全然似合ってないからね。オララ、お世辞じゃん。なのにわざわざ会いに来たわけだ。 Lui il veut faire les entremetteurs. Ah le bro quoi. Ah oui d'accord, on est sur une filature sur nos prétendues connaissances amicales. Où est-elle passée? ¡80 balles! Enfin, pas des balles. C'est PA. 80 étoiles. Mario. Nanda. Omae wa. Are? Kenji-sen. Yagami-kun? Nani shiten no? Ya, omae wa okutte yarou to omotte. Eh, sou dattan da. Sou ka. Kimi ga Yagami. Ah la vache, il a une poigne lui. Procureur général, faut pas le faire chier. Hein. Très bien, monsieur Morita. Vous transpirez le charisme. Ah, c'est mon rival. Bonjour. Il est en mode j'ai peut-être perdu. Enfin, tu t'es peut-être montré sur un tribunal, mais on a vu les conséquences derrière, quoi. Il jubile. Saligo. いや、弁護人は新谷先生。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃ、また。君は今探偵やってるんだってな。 一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ、ノライな。<笑>ほら、お、ルトワ changé。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。その せいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん?どこがデタラメだった?検事だったら具体的に言ってみろ。何もかもだ!もういいだろう、泉田。 やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。 Ah, plaisir. Procureur général a l'air stylé. Le rival, bon, c'est le rival, quoi. C'est Agis. あの貫禄、若い女は参っちまうよ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ。 次はどうする? 検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。分かった。なら俺は先に行ってる。ん?なんで? お前はまあその少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。 Un peu le sang chaud. Hein. Oh tiens, c'est Tsukubo. Makoto Tsukubo. Ah oui, c'est celui qui est
qui nous a fait la recherche sur le téléphone. Ah, désolé de t'embêter, Yagamichi, mais j'ai un petit service à te demander. Vois-le simplement comme une compensation pour la dernière fois. Pas de problème, de quoi as-tu besoin? D'une figurine, j'en cherche une et apparemment on pourrait la trouver à EBC. Logique, puisqu'elles sont en série limitée et épuisées partout ailleurs. C'est ma seule chance d'obtenir. Ah d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Ebisu. De vouloir dire la boutique d'occasion, c'était pas très loin. Tsukumo m'a toujours aidé, je lui suis donc redevable. Le pauvre gars ne se sent jamais à l'aise dehors. Événement d'amis. Les affaires secondaires, c'est ça? Pas du tout. C'est quoi alors? C'est où? C'est là-dedans. Envie de dormir. Ah mais j'ai plein de trucs là. Incroyable. J'ai des messages de tout le monde. Buvons ensemble. Ah, Marie qui est toujours à fond. Esprit supérieur à la matière. Envie de dormir. Et Joe. J'ai hâte de vous revoir. D'accord. Par contre. Donc c'est... Où est-ce que c'est? Ebisu. Ebisu. C'est une boutique d'occasion. Ponce de drone. C'est pas un truc pour... c'est pas un truc pour manger, hein, je pense pas. Popo, Don Quichotte, le marché. Popo encore. Popo toujours. Bah c'est où? Cybercafé. Le club amour. Ah, boutique d'occasion. Ah oui, mais j'ai mon objectif qui est dessus d'ailleurs. Incroyable. J'avais pas compris. Ah oui, c'est l'intrigue principale d'aller acheter la figurine. Incroyable. Je pensais que c'était une... Une quête secondaire, vu qu'on disait oui, c'est un événement d'amis, tout ça machin. Ah, très bien. Bonjour. Merci, merci. Je suis là pour acheter. Et vous voulez quoi? Ça? Figurine star d'amour? C'est quoi que vous voulez? 10 000 balles. Figurine de cheval. Figurine d'Ebisu. Vous voulez laquelle, lui? Parce que si je me trompe de figurine, je suis malin. J'ai pas les moyens. De toute façon, ça, j'ai pas les moyens. Figurine de cheval. Par contre, Ebisu, il y a une figurine. Son doux sourire me met à l'aise, oui, d'accord. Ah non, c'est ça. Figurine star d'amour. La figurine dont Tsukumo a très envie. C'est apparemment un précieux objet de collection. Paf. 10 000 balles, quoi. J'ai plus d'argent. Un plaisir. C'est la figurine que veut Tsukumo. Mais comment savait-il qu'elle était disponible dans cette boutique d'occasion? Bon, je pense que je vais aller les lui remettre. Bah oui, tant qu'à faire. J'arrive, Tsukumo. Je viens te remettre ton bien. On va essayer de rentrer quand même dans cet endroit aussi. Voir si j'arrive à interagir avec le drapeau vert. Ce qu'on n'a pas réussi à faire la dernière fois. Eh, on n'entre pas comme ça. Ah, désolé. Je me suis fait enguirlander. J'ai entendu parler d'une tendance, la troisième vague du café. C'est que du café moulu à la main, non? Ah, pourquoi n'en faisons-nous pas partie, d'accord? D'accord. Bon, je sais pas si c'était juste cette conversation ou s'il y a quelque chose à en retirer. Mais bon. Je peux encore... Soit je lui prends mal, soit je suis pas encore très convaincu des... Enfin, les drapeaux. Les gens d'intérêt. Bonjour, pardon, excusez-moi, pardon. Ah mince, j'ai fait un détour. Ah bon? Ah, c'est interdit par ici. Mais la carte ne me l'a pas dit. Il n'y avait pas de petit panneau stop. Terrible.
Ah, mon événement d'amis. Il est là. C'est l'événement des amis, oui. Je crois que je me suis trompé de bâtiment. Énorme. Très content. Oh, mais laissez-moi tranquille, bon sang. Oula, oh, j'ai pas le temps de me défendre. Faible. Oh oui, bien joué. Oh la vache. Voilà, amicalement. Au revoir, désolé pour la vitre. Bonjour, pardon. Alors. Par là, mais c'est par où? C'est par là. Non. Pas du tout. Bah. C'est quelle porte? Ah bah là-bas, oui, bien sûr. Je voyais pas le titre vert, mais c'est parce qu'il y avait le cercle d'objectif qui était dessus. Bonjour, excusez-moi, bonjour. Tiens. Mais, compliqué. Oui. Non. Je te ramène la marchandise. C'est celle-ci. Ça y est, je suis livreur officiel. Ouais, c'est la bonne, ouais. Ah, merci beaucoup, combien c'était? Ah non, c'est pas moi, c'est une compensation pour la dernière fois, tu te rappelles? Ah, vraiment? Ah, c'est plutôt généreux de ta part. Oui, parce que j'ai plus une thune maintenant. Pas de problème. Mais ça n'aurait pas été plus rapide d'y aller toi-même? Mais qu'est-ce que je peux dire? Je suis très occupé. Ah, de plus, il y a cette précommande sur le point d'ouvrir, et il me faut rester au poste de combat. C'est toujours une bonne raison de rester cloîtré, hein. Tu ne changes pas. Non, je ne devrais pas dire ça. En fait, tu t'es beaucoup amélioré. Et tout ça, c'est grâce à toi, Yamichichi. J'aurais pu ne plus jamais avoir de contact humain si tu n'étais pas venu à ma rencontre. Oui, en parlant de ça, tu finis par mettre les pieds dehors, juste pour aller te planquer dans un cybercafé. Ça coûte pas cher et internet est rapide, que demander de plus dans la vie? Et puis, pour un informateur, c'est le lieu idéal pour installer sa base d'opération. C'est vrai, j'ai toujours été d'une grande aide, c'est sûr. En tout cas, j'ai de la chance de savoir. Ah, je te redonne le compliment. Oh! Réputation en ville. Si vous liez d'amitié avec une personne, vous recevrez parfois des objets de sa part en lui rendant visite. Si vous n'obtenez pas d'objets, essayez de revenir plus tard. Les amis, le pouvoir de l'amitié. Certaines personnes en ville auront une icône spéciale, comme celle indiquée à gauche. Cela signifie que vous pouvez devenir ami avec elle. Plus vous avez d'amis, plus vous aurez d'affaires secondaires. Selon la personne à qui vous parlez, vous pouvez faire la connaissance d'un puissant allié. Jauge d'amitié. Pour vous lier d'amitié avec quelqu'un, vous devez remplir sa jauge d'amitié. La jauge se remplira si vous l'écoutez et l'aidez à régler ses problèmes. Si vous voulez interagir avec un ami qui semble indisponible, faites autre chose pendant un moment. D'accord. Il a l'air content. Oh, Yagameshishi, désolé, je suis très occupé pour le moment, reviens plus tard. Cela dit, je serai peut-être encore occupé. D'accord. C'est comme ça qu'on a des affaires secondaires. En ayant des amis. Du coup, il faut qu'on repère les amis. Oh là, il y a plein d'amis partout. Mais c'est que des vendeurs.